Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode d'Androtech. Cette émission est animée par Frandroid en partenariat avec la chaîne Tech.tv que vous retrouverez très bientôt avec de nouvelles émissions. Vous pourrez réagir dès maintenant avec le hashtag Androtech sur les réseaux sociaux. Cette émission va être dédiée à une marque, HTC, et aussi à Android Wear. Je vous retrouve juste après le sommaire. Au sommaire de cette émission un peu spéciale, le nouveau HTC One sera sur le plateau pour une prise en main exclusive, seulement 3 heures après sa présentation à Londres. Mais avant toute chose, nous ferons un tour de l'actualité de la semaine, marquée notamment par l'officialisation du dernier terminal d'Oppo, le Find 7, un terminal capable de capturer des photos de 50 mégapixels. Mais le smartphone star de la semaine, c'est bien le nouveau HTC One, avec son nouveau design et son appareil photo repensé, avec un double capteur dorsal. Ce sera pour nous l'occasion de parler de l'état actuel du Taïwanais, qui dévoile son premier smartphone haut de gamme depuis le One premier du nom. Et nous n'oublierons pas la grande annonce de la semaine, Android Wear, qu'est-ce que c'est, quelles nouveautés pour les développeurs? Ce seront les questions que nous nous poserons au sujet de ce système d'exploitation pensé pour les objets connectés. Avant de nous quitter, nous ferons comme toujours le point sur les applications de la semaine. Bonne émission à tous! Cette semaine sur le plateau, j'ai des habitués, à commencer par Pierre-Olivier. Salut! Edouard aussi sur le plateau cette semaine. Ouais, ravi d'être là. En fait, non, je suis pas ravi d'être là, je préférais être là, à la place d'Astrid. Il me déconcentre. Bah oui, puisque en régie, j'ai Astrid. Bonjour à tous. Pour prendre des commentaires YouTube, puisque cette émission est tournée mardi soir, le soir de l'annonce du HTC One. Sur le plateau, j'ai aussi Pascal, que vous connaissez peut-être, qui est blogueur et expert dans le programme Expérience de Frandroid. Tu nous rappelles un peu le concept? Oui, bah c'est tout simple, c'est on teste des produits en partenariat avec Sony. On passe maintenant à la partie actualité. La première actualité de cette semaine, Edouard, c'est le Oppo Find 7. Tout à fait, Baptiste. Et en fait, la semaine dernière, on nous a dit dans les commentaires que justement, on n'avait pas parlé de ce téléphone, mais c'est juste qu'entre l'enregistrement et la diffusion, il y a eu un petit décalage. Alors, ce Find 7, il était très attendu parce que justement, Oppo, il y a toi, PO, qui a le N1. Ouais, moi, je l'appelle le Gunman Style, le Oppo Gunman Style. Et par rapport à quoi? Il fait un peu n'importe quoi. D'accord, donc c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour le Find 7 qui est annoncé. Mais bon, voilà. Alors ce Find 7, il est très intéressant. Donc il faut savoir qu'avant, il y avait le Find 5 qui était un téléphone de 5 pouces. Alors là, on se dit, le Find 7, il fait 7 pouces. Pas du tout. C'est un 5,5 pouces qui est fait grosso modo, on peut penser au Galaxy Note 3. Donc si je fais rapidement ses caractéristiques, il a un Snapdragon 801, donc c'est-à-dire ce qu'on retrouve à peu près sur Galaxy S5, HTC One, M8. Il a 3Go de RAM. Et en fait, la raison pour laquelle il a 3Go de RAM, est-ce que vous avez une idée autour de la table? Non, vas-y, dis-moi. C'est tout simplement parce qu'il a un écran 2K ou Quad HD, qu'on peut le lire sur le site officiel. Donc ça sert à quoi? Rien. C'est en fait la même chose qu'on retrouve sur certaines tablettes. Donc là, on l'a sur un téléphone, ça va faire 530 pixels par pouce. À titre de comparaison, l'œil humain arrive à peu près à décerner jusqu'à 330 pixels. Ça sert un peu à rien, mais bon, bref. Donc on va avoir un très bel écran. Et si j'ai bien compris, il va y avoir deux versions. Il y a une déclinaison qui s'appelle le Find 7A et qui lui aura un écran 1080p et un processeur Snapdragon 800. Et après, c'est grosso modo, ce sera la même chose. Ce téléphone, il est intéressant aussi parce qu'il a une batterie de 3000 mAh. Bon, ça, à la limite, on va dire classique. Mais surtout, en fait, en le rechargeant pendant une demi-heure, on va avoir 75% de la batterie. Quand on sait que 3000 mAh, c'est rechargement super rapide. Super rapide, c'est plutôt impressionnant. Bon, il faut quand même voir si en réalité c'est bien le cas. Cette batterie, elle est amovible. Il y a un lecteur de carte micro SD, donc c'est en plus. Et il y a 32Go de stockage interne. Est-ce qu'on a des infos de la commercialisation en France? Non, comme tous les Oppo, ça passera par Oppo Style. Pour l'instant, il ne parle absolument pas du tout de ce téléphone. On sait juste que ça va sortir le mois prochain. Donc, dans un premier temps, la version 1080p à $499 et la version 2K à $599. Astrid, sur le forum, les Oppo, ils sont toujours très attendus, non? Oui, les Oppo, tout ce qui est marque chinoise, Xiaomi, c'est très attendu. Et il y a beaucoup de regrets qu'ils ne soient pas plus commercialisés que ça en France, qu'il n'y ait pas vraiment d'intérêt pour ces téléphones.
Est-ce qu'il va y avoir, est-ce que le partenariat entre Cyanogen et Oppo va être renouvelé sur ce modèle-là? Moi, j'ai pas entendu parler spécialement de Ciano à ce niveau-là. Je dois t'avouer que je n'ai pas vérifié. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura ColorOS, donc la dernière version. Alors, je crois que t'aimes pas trop. Pas du tout. Il y a quand même quelques petites fonctionnalités qui sont sympas sur ce téléphone, notamment le fait que lorsque le téléphone est éteint, on peut dessiner des formes, et en fait, ces formes correspondent à telle ou telle application, et donc on va lancer automatiquement l'application. C'est plutôt intelligent. Donc des gestures, même quand le touchscreen, sur le téléphone, même quand le téléphone, ouais, il y a une autre gesture qui est, après je sais pas ce que vous en pensez, vous appuyez sur le téléphone, vous l'avez dans vos mains, dans votre main, vous appuyez sur le bas du volume et vous faites un demi-cercle et paf, l'appareil photo se lève. Bref, c'est simple. C'est super simple, mais bon, c'est un geste comme un autre, à voir si ça intéressera vraiment les gens. Au niveau de l'usage. Voilà. Après, ColorOS, donc c'est Android 4.3, le seul petit avantage que ça a par rapport à tous ces Chinois qui font des téléphones, c'est que c'est quand même une organisation avec un bureau et des applications séparées, alors que par exemple, sur les téléphones avec MyUI, tout est assemblé. Oui, il n'y a pas de drawer. Voilà. Ce téléphone, en tout cas, il est super intéressant. Je pense qu'on aura moyen de le tester tôt ou tard. Voilà. Et on suivra sa commercialisation et les annonces associées. C'est tout à fait ça. L'actualité suivante, c'est du côté des opérateurs avec des nouvelles de la saga du rachat d'SFR. En effet, on en a parlé la semaine dernière. Pour remettre dans le contexte, SFR est à vendre. Deux entreprises sont intéressées. Il y a Altis, dont on connaît en France la filiale Numéricable, et Bouygues Télécom, l'entreprise de Tonton Martin. Ce qu'il se passe, c'est que depuis le 14 mars, on sait que SFR a choisi de rentrer dans des négociations exclusives avec l'entreprise Altis. Cette nouvelle n'a pas été au goût de tout le monde, et en particulier de messieurs Bouygues, Niel, Montebourg, si ce n'est que, enfin, pour citer que cela. C'est une annonce qui a plutôt déçu, puisqu'elle paraissait relativement peu logique, étant donné que Bouygues Télécom proposait le plus grand nombre de parts dans l'ensemble de rachat. Donc aujourd'hui, alors que SFR est en train de négocier de façon exclusive avec Altis, Martin Bouygues a fait savoir qu'il rehaussait son offre pour porter à 13 milliards. Donc on se rapproche de plus en plus du montant de WhatsApp. On attend maintenant la réponse de SFR, à savoir si SFR va accepter de rompre l'exclusivité de ses négociations avec Altis pour faire rentrer Bouygues à la table des négociations. Tu penses que c'est possible ou... Disons que aujourd'hui, étant donné le tollé relativement général que l'annonce des négociations exclusives avec Altis a suscité d'un point de vue industriel du côté des opérateurs, mais aussi d'un point de vue gouvernemental avec les différentes réactions des différents ministres concernés, oui, je pense que c'est tout à fait possible. Il semblerait, c'est un article que j'ai lu sur Univers Freebox aussi, que la dernière proposition d'Altis, celle qui leur a permis de rentrer en négociation exclusive avec SFR, a été faite après la date limite de clôture des offres. Donc voilà, il y a beaucoup de rebondissements sur ce dossier et je pense qu'on en parlera à nouveau la semaine prochaine. Allez, une petite news du côté des objets connectés avec un géant coréen qui rentre cette fois-ci vraiment dans la bataille de la domotique. On a eu Philips il y a quelques temps qui a sorti un truc complètement hors de prix juste pour allumer des lampes de couleur avec ton téléphone depuis tes toilettes. LG a décidé de couper les prix plus ou moins en trois, puisqu'il propose les smart bulbs qui sont donc des ampoules connectées en mode RGB qu'on peut piloter en Bluetooth ou en Wi-Fi et qui seront donc synchronisés avec des notifications ou ce genre de choses. Donc on peut vraiment prévoir pas mal d'usages et c'est quelque chose qu'on va trouver en dessous de 30$. Donc LG avait déjà fait un pas dans la domotique avec beaucoup d'électroménagers, ce qu'on appelle le blanc, beaucoup d'électroménagers avec du NFC ou du Wi-Fi contrôlable à distance, mais il n'y avait pas encore vraiment de grandes marques qui avaient envahi ce marché des petits appareils. Voilà, c'est ça. Quand on parle de domotique, il y a effectivement l'électroménager, les fours, les frigos, les machines à laver, etc. Mais il y a aussi, et j'ai envie de dire surtout, toute la petite
tout ce qui est électrique. Donc les ampoules, les prises électriques, les interrupteurs, les variateurs, etc. Et ça, bon, bah voilà, on a des acteurs comme Legrand, on a des acteurs comme Belkin. C'est vrai que c'est un terrain sur lequel LG ne s'était pas engagé. Et donc aujourd'hui, ils mettent un pied dans cette petite domotique qui est probablement celle qui rentre le plus facilement chez monsieur et madame tout le monde. Donc on a une date de commercialisation, mais que en Corée pour l'instant, c'est ça ? Oui, mais je le sais pas. Je suis désolé. Le truc qui est un peu dommage, c'est que je sais pas si vous vous rappelez, mais Google devait sortir ses lampes Wi-Fi et on les a jamais vues. Donc peut-être que Google, à l'heure actuelle, saurait peut-être faire mieux, mais ils les ont jamais sorties, donc on n'en sait rien. Peut-être qu'après. Par contre, celle-là, elle fonctionne en Bluetooth, hein, ce que j'ai cru comprendre. Bluetooth, c'est Wi-Fi. Apparemment, il y a, ouais, il y a un Wi-Fi direct pour les configurer. Parce qu'en Bluetooth, c'est quand même assez limité après en termes de distance ou autre. Bah ouais, mais en même temps, bon, pour piloter une ampoule en Wi-Fi, ça veut dire que t'as plus internet sur ton téléphone. Non, mais parce qu'il y avait la notion aussi de gérer ses lampes quand on n'est pas forcément chez soi pour faire croire aux cambrioleurs, etc. Ouais, ouais. Ça en Bluetooth, c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué que c'est un point important. La différence avec les lampes Philips, c'est que les lampes Philips avaient besoin d'un genre de point d'accès central pour piloter les ampoules, ce qui n'est pas le cas des lampes LG qui sont autonomes, d'où effectivement la connectivité Wi-Fi. Et on a encore un achat dispendieux de Facebook. Et oui, après le rachat de WhatsApp pour 19 milliards de dollars, on a Facebook qui rachète maintenant Oculus Rift. Enfin, l'entreprise s'appelle Oculus VR, c'est celle qui a porté le projet Oculus Rift, qui est donc ce masque de réalité alternée en 3D, etc., pour la somme de 2 milliards de dollars, ce qui n'est après tout qu'un neuvième de WhatsApp, tout va bien. On se demande, c'est pas exactement connecté avec le mobile, mais on se demande vraiment ce que ça va donner quand même. On en saura plus dans les jours à venir en tout cas. L'annonce que vous attendez tous, c'est le HTC One M8, c'est-à-dire la version du HTC One 2014. On avait la version 2013, on a la version 2014. Pascal, tu l'as eu dans les mains depuis maintenant une semaine. Ouais, j'ai depuis un peu plus d'une semaine donc dans les mains. J'ai pu le tester et publier tout, juste à temps tout à l'heure le test après l'annonce. Donc je vais vous parler rapidement des nouveautés. Surtout des différences avec le HTC One. Des caractéristiques en général. Oui, donc on a un processeur S801, on a 2 Go de RAM, un écran 5 pouces Full HD, donc pas de 2K. On a donc un poids de 160 grammes, si je me souviens bien, avec une épaisseur de 9 mm, donc ce qui est un peu plus épais et plus gros que les S5 et Z2 là, qui ont été annoncés il y a un mois tout juste. Donc on a 16 Go de mémoire interne où il y a une version 32 Go également. La petite nouveauté, c'est qu'il y a un port micro SD. Voilà, qui permet d'étendre la mémoire jusqu'à 128 mégas. Tout à fait. On a une batterie donc 2600 mAh. Comparé donc au 3002 du Z2 et 3000 de l'Oppo Find 7. Effectivement, on est légèrement en dessous. Enfin, on est en dessous la question de la batterie. L'écran est aussi plus petit, donc ça se voit. Oui. Après, on en parlait plus de l'autonomie, peut-être un petit peu après. Mais, On va parler aussi on aura une partie aussi caméra, puisqu'il y a beaucoup de nouveautés sur la caméra. On peut faire un petit, maintenant qu'on a fait le tour sur les caractéristiques, qu'est-ce qu'il faut en penser de ces caractéristiques? Elles sont dignes d'un haut de gamme 2014, sans plus ni moins, c'est ça? Oui, moi je pense qu'elles sont dignes d'un haut de gamme. Maintenant, il n'y a pas de grande surprise. La nouveauté, ça va plus se tourner sur la photo. Après, il y a des petites choses qu'on a en moins par rapport à un S5 ou un Z2. Chose qu'on a en plus, c'est vrai que il n'est pas étanche, alors que le S5 et le Z2 sont étanches. On a un écran qui est plus petit, de 0,1 pouce et 0,2 pouces pour le Z2 et le S5, alors qu'il est plus encombrant quand même qu'un Z2 même, je crois, en termes de poids ou en termes de taille, pour 0,2 pouces de plus, avec une batterie plus petite également. Edouard, PO, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces caractéristiques? Effectivement, quand on les compare à la concurrence, je pense que on voit que c'est quand même assez classique, même s'il y a quelques différences. Moi, ce qui m'accroche surtout, c'est l'objet en tant que tel. Le design. Ouais. Là, il est différent par rapport à d'autres marques qui, elles, se ressemblent plus les unes les autres, même si elles ont toutes leurs différences. Ils se ressemblent quand même pas mal par rapport au M7.
C'est une ouais, évolution. Oui, tout à fait. Mais HTC, alors, je trouvais plus, une marque plus différente des autres. Alors, au niveau design, on a une évolution du dos en métal brossé. Ouais, donc on a là c'est le coloris donc qu'ils appellent gunmetal, donc qui est gris un peu bah, vraiment, foncé, vraiment plus foncé, voilà, et qui est beaucoup plus brillant que le revêtement du HTC One. On a plus l'effet brossé, voire brossé. Voilà, ça, certains vont dire que c'est beaucoup plus beau, d'autres vont dire que c'est un peu bling bling, surtout sur la version ouais, gold. Moi je trouve ça bling. Voilà, moi je préfère cette couleur de base du HTC One. J'ai pas eu plus mal. Il est aussi en gris un peu comme le ouais, HTC One. Tout à fait. Et comme ça. Voilà, la particularité après sur le dos, ça va être le double capteur dont on va parler un peu plus en détail après. Donc il existe cette couleur-là, couleur comme le HTC One et une couleur pour... très dorée, on va dire. Voilà, gold. Couleur goldfish. L'or était cet après-midi à la conférence HTC à Londres. Elle nous a envoyé une petite vidéo. Bonjour à tous, je suis actuellement dans la salle où a eu lieu la conférence de présentation du HTC One M8, puisque c'est son nom de code qui a servi de nom finalement pour ce smartphone. Vous voyez d'ailleurs derrière moi les chaises qui commencent à être vides, puisque tout le monde est en train de faire ses prises en main du smartphone. La conférence était assez surprenante parce qu'on a l'habitude d'événements un peu confidentiels chez HTC, en tout cas pas forcément des shows, c'en était toujours pas un d'ailleurs cette fois-ci, mais il y avait beaucoup de monde, il y avait plusieurs centaines de personnes, on sentait qu'il y avait une réelle attente sur ce smartphone, malgré tout, puisque il faut bien le dire, et on a participé à ça, la plupart des caractéristiques du smartphone étaient connues bien avant sa présentation, ce qui fait que la surprise était assez peu de mise pendant cette conférence, même si on sentait que les gens étaient très, très attentifs aux annonces qui ont été faites. On a vu des designers, des gens comme ça. On a vu aussi la CEO de HTC, qui s'appelle Xia Wang, qu'on voit assez rarement, qui s'exprime assez peu, en tout cas qui est rarement présente physiquement sur des conférences. Ça témoigne vraiment du poids que met HTC dans ce nouveau One M8. Alors, la stratégie d'HTC, est-ce qu'elle est payante? Pas si sûr. Ce qu'on a vu, c'est un smartphone qui va sortir à 679 €. Le mois prochain, le 4 avril, en Europe, dont en France d'ailleurs, puisqu'on a vu des précommandes qui sont déjà arrivées chez Soch notamment. Donc on va avoir un smartphone qui va sortir une semaine à 10 jours avant un Galaxy S5 de Samsung ou un Xperia Z2 chez Sony. Est-ce que ce sera suffisant pour ce smartphone? On peut avoir certains doutes. Alors évidemment, il est dans la gamme de prix des concurrents, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce smartphone, il n'apporte que des révisions, j'ai envie de dire, des apports logiciels, mais en termes vraiment de fonctionnalités innovantes, à part cette fonctionnalité photo et ce Sense 6.0 qui a été annoncé, peu de fonctionnalités vraiment différenciantes ont été annoncées, c'est-à-dire qu'on fait l'impasse sur la 4K notamment, qu'on fait l'impasse sur un écran 2K qui aurait pu être réellement différenciant. On n'a pas forcément une batterie exceptionnellement grosse, avec environ 2600 mAh si je ne me trompe pas. On a un mode d'économie d'énergie qu'on a déjà vu chez Samsung, ce qui fait que HTC, en présentant ce smartphone un tout petit peu après, ne surprend pas réellement, d'autant plus qu'on connaissait donc déjà une grosse partie des caractéristiques. Alors, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une démonstration de savoir-faire. Effectivement, le smartphone, il est vraiment réussi. Alors, si on en vient réellement à ce One M8, le nom est pas facile à retenir d'ailleurs, on va avoir un smartphone de 5 pouces, donc un tout petit peu plus grand que le One premier du nom, avec un aspect légèrement différent. On va avoir une coque en aluminium brossé et poli, donc un aspect assez brillant, avec des tranches arrondies, beaucoup plus de métal au dos. On n'a plus ces petites bandes blanches qui étaient intercalées entre les plaques de métal. Un port micro SD enfin qui fait le retour sur les smartphones HTC, ça c'est assez intéressant. Jusqu'à 128 Go d'ailleurs, le Snapdragon 801 qu'on a chez tous les hauts de gamme du moment, 2 Go de RAM, et puis c'est déjà pas mal, et puis cette surcouche HTC Sense 6.0, donc qui apporte des nouveautés au niveau du Blink Feed, et surtout pas mal de gestes, depuis l'écran éteint. Alors on peut allumer l'appareil photo directement en dégainant le smartphone en appuyant sur une touche volume, des swipes à gauche, à droite, de haut en bas, déclenche différentes applications, soit le Blink Feed, soit les applications récemment ouvertes, soit un système de widget, soit la commande vocale. C'est sur ça que mise HTC. D'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils n'ont même pas mentionné, ou alors je n'ai vraiment pas écouté à ce moment-là, le processeur qui était à l'intérieur. Donc on ne parle même plus de performance, là on parle d'expérience utilisateur pour ce M8, qui a priori va remplir son office. D'ailleurs, hein, l'expérience, pour ce que j'ai essayé pour le moment, est vraiment concluante.
Est-ce que ça va suffire à l'heure où on parle énormément de hardware pur? Je ne sais pas. En tout cas, HTC a su éveiller la curiosité et devrait au moins satisfaire la critique en espérant que le succès commercial pour eux, bien sûr, sera là puisqu'ils ont besoin de vendre beaucoup pour remonter des finances qui sont un petit peu en demi-teinte. Et c'est moins qu'on puisse dire. Alors Pascal, j'aimerais revenir avec toi sur les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités apportées par ce HTC One. Qu'est-ce qu'on a? On a notamment Blinkfield, Sense 6 et surtout des gestures donc, qui permettent d'activer diverses fonctions comme Laure nous l'a dit, avec l'écran éteint. Donc, par exemple, là, si je glisse vers le haut, sauf qu'il faut être en mode portable. Ça, c'est l'effet démo de toute façon. Non, mais oui, il faut être en mode portable. Ah, sérieux, l'accéléromètre, il joue un rôle dans la gestion? Ouais, puisqu'en fait, en mode paysage, ça active l'appareil photo. Donc, du coup, en mode portrait, il n'y a que les gestures classiques qui fonctionnent. Donc là, si je glisse vers le haut, ça me déverrouille l'écran et ça arrive sur l'écran d'accueil. Il y a une subtilité. Depuis le bas de l'écran, en fait, ça ouvre la dernière application qui était lancée. Ouais, et voilà. Et sinon, ça rouvre l'écran d'accueil. Et donc, vers le bas, ça va me lancer une commande vocale pour appeler maman, papa, etc. C'est dommage, par contre, qu'il n'y ait pas eu un lancement de Google Now, par exemple. On peut vraiment lancer qu'un appel vocal depuis cette gesture. Vers la droite, ça va lancer directement Blinkfield. Et vers la gauche, ça va lancer directement. Donc là, c'est l'écran d'accueil, si je me souviens bien. Donc pour les gestures, la dernière, en mode paysage, donc écran verrouillé, on appuie sur... Alors c'est dur à faire à l'envers, on appuie sur le volume haut et ça lance l'application donc caméra. La caméra, justement. Alors, on a plein de nouveautés et notamment, il faut absolument parler de ce double capteur à l'arrière. Oui, on a donc un capteur principal de 4 millions de pixels. Oui, c'est exactement la même chose que sur le HTC One donc de l'an dernier. Voilà, il faut préciser que c'est 4 millions de pixels et avec la technologie que HTC appelle ultra pixel, c'est-à-dire qu'on va avoir un grand capteur qui va capter beaucoup de lumière et qui va donc du coup à la fin assembler une image qui sera aussi normalement 3 aussi fois belle plus, que l'équivalent d'un 13 millions de pixels, quelque chose comme ça. Oui, ouais. Mais qui a l'inconvénient, du coup, vu que l'image est beaucoup plus petite, ben on va pas pouvoir zoomer dedans. C'est un peu l'avantage et l'inconvénient de cette technologie. C'est vrai que sur un écran de smartphone, que ce soit à l'époque sur le HTC One, on ne voyait pas forcément la différence, la photo était belle. C'est une fois qu'on la met sur PC vraiment qu'on voit la différence et on voit que c'est du vrai 4 millions de pixels au final. Alors, et il y a un deuxième trou de caméra à l'arrière, dont il faut parler, qui est à ce moment-là. Il y a un gros trou et un petit trou, c'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est... Donc vas-y Pascal. Donc il y a un double capteur, oui, enfin triple en tout, mais à l'arrière il y a un double capteur. Donc le 4 millions de pixels ultra pixel et donc un capteur qui est annoncé normalement pour du 2,1 millions de pixels et qui ne sert qu'à collecter des données donc de profondeur et créer une carte dynamique pour après régler un focus. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Clairement, on va pouvoir faire en fait prendre une photo basiquement dans le mode on prend une photo. C'est l'avantage, c'est vraiment c'est pas de faire un focus ou quelque chose avant de prendre la photo, d'aller dans les réglages, etc. Là, on peut faire sa photo de façon basique et derrière de revenir sur une photo. Alors, je vais essayer de vous ouvrir une photo par exemple. Voilà, là c'est la photo classique par exemple que j'ai prise, donc une tasse à café. Derrière, on peut donc modifier effet. Et donc il y a la fonction UFocus. UFocus, donc ça va faire par exemple là le focus sur les tasses à café et ça va flouter tout l'arrière-plan. Je peux après faire le focus au final sur autre chose, la carte qui est là. Et du coup les tasses vont maintenant être floues et ça va être le focus va être fait sur la carte, etc. On peut faire ça sur tous les points. Le petit inconvénient c'est que c'est vraiment assez limité, donc ça va être un périmètre. Par exemple si vous faites un focus sur la tour Eiffel, il va être que la pointe de la tour Eiffel qui va avoir le focus, tout le bas va être en flou. Ça demande encore des améliorations. Fait penser à d'autres concepts de caméras qui sont à ce moment-là beaucoup plus complexes et beaucoup plus chers, comme par exemple... Il y a une qui s'appelle Litro et qui est vraiment... extrêmement performante dans ce domaine. On prend une photo et après on a une petite application sur laquelle on peut très facilement indiquer où on veut faire le flou et c'est très rapide, mais par contre ça coûte assez cher et forcément c'est pas par rapport au gabarit d'un téléphone, c'est incomparable.
Même si au final Ditro est petit, là on, ce serait du moins inimaginable pour l'instant dans un téléphone. Par contre, c'est une belle prouesse technologique. Alors, en termes de valeur ajoutée sur l'interface, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une mise à jour de Sense. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveautés sur celle-ci? Non, globalement, on garde le même esprit que le HTC One. Il y a quelques nouveautés. Il y a une nouvelle télécommande également. La télécommande télé a été totalement redessinée, repensée avec une intégration de Facebook, de Twitter. Typiquement, vous regardez votre émission préférée, vous pouvez tweeter directement depuis l'application télécommande et au final, si le programme vous fait chier, vous changez directement. Vous restez vraiment sur la même application. C'est des fonctions dans l'air du temps. Tout à fait. Il y a la même chose sur le Blinkfield d'ailleurs. On a des réactions un peu tardives vu que c'est un peu en décalé sur le live. Mais il y a une réaction à propos du par exemple du Sony Xperia Z1 qui a quand même, je crois que c'est 20 mégapixels exactement, à la caméra. Est-ce que du coup le HTC fait des meilleures photos que le Sony? Ça va dépendre. En fait, moi là j'ai fait un test justement par rapport à un Lumia 1020, donc qui est un peu la référence des smartphones en termes de photos et mon Nexus 5. Il y a des situations. Par exemple, HTC vend vraiment la capacité à des photos en basse luminosité. Au final, on s'aperçoit que c'est pas vraiment meilleur qu'un Xperia Z. Il y a par contre un truc qu'ils ont enlevé entre le HTC One et le HTC One, du moins M7 et M8, c'est avant il y avait une stabilisation d'image optique. Oui, en fait, c'est pas compatible justement avec les doubles capteurs. C'est pour ça que c'est une stabilisation maintenant intelligente. C'est forcément beaucoup moins bien. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'était une vraie force. Il y en avait alors l'an dernier sur les Lumia et donc que sur le HTC. Alors que en termes de vidéo, c'est toujours en plus. C'était quelque chose de différenciant. Globalement, l'appareil photo est très très bon, hormis si derrière on veut faire du tirage photo ou autre, mais pour l'utilisation basique d'un smartphone, ça fait très bien le boulot. Je continue là-dessus. Est-ce que les deux flashs, ils ont un intérêt parce qu'on voit qu'ils ont deux couleurs? Je me rappelle qu'à l'époque, sur le Desire HD, HTC avait dit finalement mettre deux flashs, ça dénature trop la photo. Là, ils ont mis deux couleurs. Est-ce qu'au final, c'est un rendu qui est... Le flash déjà est beaucoup plus puissant qu'un flash classique. Moi, j'ai fait des tests sur des photos en noir total, c'est le flash, ça éclaire comme si on était presque en pleine journée sur des petites. Mais du coup, en termes de rendu, c'est juste couleur, en rendu de couleur. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Ouais, ça dépend. Encore une fois, ça dépend des situations. J'ai fait des tests, par exemple, sur des fonds jaunes derrière. Le jaune, au final, devenait marron. Ça dénaturait pas mal les couleurs de base. On a des résultats bizarres, quoi. Oui et non, mais pas plus qu'un Lumia 1020 qui donne à peu près le même résultat parce que le flash est aussi assez puissant sur le 1020. Je voulais parler commercialisation et disponibilité. On a aussi d'abord entendu qu'il va y avoir deux versions. Ce HTC One va être, comme son prédécesseur, disponible en Google Edition. Ouais. Ouais, en fait, c'est même trois versions. Il y a la version normale, la version pour les développeurs, qui est donc la même version avec Sense, mais juste le bootloader déverrouillé. Et il y a ensuite une troisième version, qui est celle pour le Google Play. Donc, si je ne me trompe pas sur les prix, celle qui est en la version développeur, elle coûte 650. Donc dollars, euros, whatever. la version avec verrouillée, donc chez les opérateurs, c'est à 679. Et celle pour le Google Play Edition, c'est-à-dire sans Sense, et donc on se dit avec sans la valeur ajoutée de HTC, elle coûte le plus cher, 699 euros, dollars, machin. Et on se dit, mais c'est un peu un foutage de gueule quand même, parce que c'est le même téléphone. C'est le même téléphone. Est-ce que ça a été annoncé par contre en France, les Google Edition? Non, les Google Play Edition, c'est toujours que les États-Unis. Mais là, on a l'impression que, en gros, c'est HTC dit OK, on propose le téléphone sur le Google Play, mais c'est tout. Après, on ne veut pas en vendre. Sachant que ce qu'il faut noter, c'est que tout le monde s'est réjoui sur les premiers téléphones Google Play Edition. Il me semble d'ailleurs le premier, c'était pas déjà le HTC One. En tout cas, peu importe, tout le monde s'est réjoui en se disant « Ah ouais, enfin, on sacre les surcouches dehors ». Mais en réalité, ce que les gens se sont aperçus en achetant ces téléphones, c'est qu'ils se privaient aussi des fonctionnalités avancées, typiquement l'appli d'appareil photo, sachant que la prise de photo, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel sur le smartphone. Ils se retrouvaient avec la version Android de base, qui fait pas du tout la même chose, qui a c'est pas non plus les mêmes drivers. Donc il n'y a aucune optimisation et on n'a aucune qualité. Les photos sont extrêmement basiques, en général très bruitées, etc. Là, en l'occurrence, la question se posait avec le double capteur.
Et il a été dit que pour l'addition Google Play, a priori, ce double capteur, donc avec la modification de profondeur de champ sur les photos, ça serait géré. Mais on ne sait pas trop exactement de quelle façon ce sera géré. Est-ce que ça va être géré avec l'application d'HTC? Moi, j'en doute fort. Bon, on m'a juste communiqué que, les API, donc HTC, allaient être fournies pour la version Google Play Edition. Mm-hmm. Mais concrètement, si on aura vraiment toutes les fonctionnalités, si on aura l'UFocus, le Zoé, etc., je ne sais pas pour l'instant. On restera probablement par après. On va rester sur la commercialisation. On a, à l'heure où on parle, déjà des offres par les opérateurs. Chez Orange, oui, ça a été annoncé. Alors j'ai vu 269, moins 100, moins 100. Voilà, on a aussi de l'ODR déjà. Donc le avec prix des forfaits de smartphone à 80 qui euros. Est quand même assez important. Il vous fait pas un peu peur? Bah si, parce que je pense qu'HTC aurait pu aussi se différencier des autres en ayant un prix un peu plus bas. Et en mettant un smartphone qui est quand même assez haut de gamme, c'est plutôt accessible. Ouais, t'as une théorie là-dessus. Ah bon? Bah oui, si tu m'en as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu me dis que justement, si c'est aussi cher, ça va permettre de vendre les trucs qui coûtent moins cher. Tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est un prix... Voilà, ça le positionne extrêmement haut de gamme. C'est vrai. Ça le positionne extrêmement haut de gamme, pardon. Et de la même façon que le 5C existe pour le 5S, peut-être que le HTC One, finalement, il existe pour vendre les desires qui sont plus abordables. HTC l'année dernière est revenu très fort sur un modèle vraiment bien, mais qui n'a que peu vendu parce qu'il souffrait d'un déficit d'image auprès du grand public suite à plusieurs ratés. Cette année, il arrive avec a priori beaucoup moins ce problème de déficit d'image puisque c'est acté que le HTC One était vraiment une réussite technique. Et donc du coup, il y a un certain nombre de gens qui vont probablement vouloir profiter de cette expérience-là, mais certainement pas au prix de 700 euros, et qui vont donc peut-être, c'est mon hypothèse, se tourner vers les nouveaux desires. Et ce qui se passe aussi, c'est que chez Samsung, ils peuvent se permettre de faire un tel prix. Et généralement, ils font des ODR, donc des offres de remboursement, qui permettent de réduire très rapidement le prix. Mais HTC, ils n'ont pas du tout cette habitude. Ils ne vont pas avoir cette force marketing. Et ils n'ont peut-être pas les moyens financiers de le faire aussi. Donc, ce n'est pas du tout la même dimension que chez un Sony ou que chez un Samsung. Pire, si le nouveau HTC One ne se vend pas très bien, la presse va tout de suite se dépêcher pour dire « Ah, vous rendez compte, ça ne vend pas aussi bien qu'espéré, etc. » Et là, on va retomber dans cette mécanique de déficit d'image qui va gêner les ventes des moyennes gammes. Vous avez tous suivi l'annonce. Qu'est-ce que vous en pensez de ce téléphone? Globalement, au début... Est-ce qu'il va sauver HTC? Allez, disons-le. Non, clairement, je pense pas. Au début, en fait, quand moi je l'ai eu, j'étais assez déçu, surtout après les annonces des S5 et Z2. Quand après on m'a annoncé le prix, je pensais vraiment qu'HTC allait attaquer sévère en proposant un grand max 500-550 euros, parce qu'en gros c'est le smartphone qui aurait dû sortir pour moi chez HTC presque l'année dernière ou en fin d'année dernière, puisque un Z1, si je me trompe pas. C'est finalement dommage qu'ils aient pas un renouvellement de la gamme plus rapide, c'est ça. Oui et non, après on aurait voulu quoi de plus dans un smartphone? Un écran 2K, on sait que ça sert à rien. Un 50 millions de pixels, ça sert à rien. 4 gigas de RAM, ça sert à rien non plus. Voilà, après à voir. C'est, au final, c'est peut-être ceux qui le font le mieux, avec une belle intégration et un design le plus réussi, mais très cher. Mais là-dessus, on peut revenir, enfin, si tu me le permets et qu'on a encore un petit peu de temps à consacrer au sujet, sur le design. Moi, je trouve que voilà, le HTC One, en tant que tel, c'est vraiment un très bel objet. On te sent conquis. Tout à l'heure, on est entré en matière en le comparant aux autres téléphones des autres marques, les Samsung, les Sony, je trouve que c'est une erreur. Je le compare pas du tout à ces téléphones-là parce que justement, l'objet téléphone, il n'a pas été repensé, n'exagérons rien, mais voilà, il est un petit peu plus original que les autres. Mais si on le compare au HTC One de l'année dernière, par contre, je trouve que c'est pas en mieux l'évolution. On est passé des boutons physiques aux boutons sur l'écran. Mais l'écran est plus grand. Toujours quelque chose. L'écran est plus grand. Il y a des gens qui aiment, comme le mec à ma gauche. Il y a des gens qui aiment moins, comme moi. Mais c'est pas là où je voulais en venir. On a conservé malgré tout la bande noire sur laquelle il y a écrit HTC. Pire, cette bande noire est plus grande que sur le modèle précédent. Et ça me gêne beaucoup. C'est dommage, parce qu'on aurait pu avoir un
terminal un peu plus élégant, un peu plus racé, sans cette bande noire. Hein. Ça fait cher le logo HTC. Non, et puis surtout que c'est le plus gros des 5 pouces qu'on connaît tous aujourd'hui. Moi, je vais demander à Astrid de nous dire ce qu'en pensent nos youtubeurs. Bah, c'est mitigé. Disons qu'il y en a qui sont déçus par rapport à leur HTC One, par rapport aux annonces qui ont été faites récemment entre le Z2, entre le Galaxy S5 qui ont envoyé du lourd quand même. Il y a l'étanchéité aussi, même si c'est un facteur qui est pas toujours... C'est vrai que quand on paye un téléphone haut de gamme, on attend vraiment mais si on a le choix entre les deux, des fonctionnalités. Les gens, basiquement, on propose le Samsung, les gens qui ne sont pas geeks ou qui ne sont pas connaisseurs comme nous, on vous propose le Z2 et celui-là à côté, hein, on vous dit qu'il va sous l'eau, qu'il a 20 millions de pixels, l'autre il ne va pas sous l'eau, il a 4 millions de pixels. Les gens vont aller vers le Sony directement. Ça va vraiment être un produit de connaisseurs. Je pense. Et surtout que Sony a une image de marque qui, pour le coup, a rien à voir avec HTC. Ouais. Moi, par contre, je le trouve très bien, ce HTC One. Typiquement, là, pour ton problème des boutons, avant, le HTC One, il n'avait que deux boutons, qui étaient retour et accueil, sur lesquels il fallait faire des gestures, appuyer long, appuyer deux fois pour accéder à peu près à toutes les fonctionnalités. Moi, au contraire, je trouve que les avoir sur l'écran, c'est vraiment un plus, parce que c'est beaucoup plus intuitif pour Madame Michu, qui ne capte pas toujours comment marche Android. Tu noteras que même si effectivement je suis contre, je n'en ai pas parlé. J'ai parlé de la bande noire HTC. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous l'aurez compris, les avis sont un peu mitigés. Vous retrouverez très bientôt le test sur Frandroid. On va essayer de le publier cette semaine. Il sera peut-être même publié au moment où cette vidéo sera publiée. On passe maintenant à la partie suivante et ce sera Android Wear. Et c'est génial. En fait, non. La grande annonce de l'écosystème Android, c'est Android Wear. Enfin, une réponse aux objets connectés officiels par Google. Je vais me tourner vers Pod, qui va nous expliquer ce que c'est. Qui ? Moi ? Ouais, ok. Android Wear, c'est quoi ? Android Wear, c'est deux trucs. Et ça, c'est un petit truc qu'on a peut-être un petit peu trop loupé suite à l'annonce. C'est d'abord une distribution d'Android pour les constructeurs, pour les intégrer dans les objets connectés. Et ensuite... de l'autre côté, c'est une librairie pour les développeurs, pour qu'ils puissent développer des applications pour smartphones, tablettes ou autres objets Android qui vont porter leurs notifications et leurs affichages sur des objets connectés qui intègrent la technologie Android Wear. Donc voilà, ce sont ces deux choses-là, Android Wear, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a été publié ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que les développeurs peuvent faire aujourd'hui avec Android Wear ? Alors, aujourd'hui, pour l'instant, les développeurs, ils ont accès à une image qui permet donc d'avoir accès en partie à ce qui sera disponible sur ces montres. Donc, sur ces montres, il y aura tout l'aspect Google Now. Et donc, est-ce qu'on a aujourd'hui un émulateur de montres ? On a un semi-émulateur de montres, comme je te le dis. Donc, on a, en gros, la partie qui permet aux développeurs de développer des applis, mais toute la partie qui est Google Now, qui est donc propre à Google, celle-là, on n'y a pas encore accès. Donc, pour ce qui est des développeurs, à l'heure actuelle, de base, en fait, quand on a une montre avec Android Wear, ça va prendre les notifications de votre téléphone et les afficher directement sur la montre avec la possibilité d'interagir. Donc en fait, si je devais résumer Android Wear à l'heure actuelle au niveau des développeurs, c'est des notifications, point barre. Par contre, ce qui se passe, c'est que vu que toute l'intelligence est du côté du téléphone, donc à l'heure actuelle, ces montres-là ne sont pas faites pour être standalone, mais Android Wear l'est, parce que je vois déjà PO se vénère à côté de moi. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir dire dans l'application « Affiche-moi une notification sur la montre qui sera plus ou moins avancée. » En fait, les notifications sur la montre, il y en a de plusieurs types. Il peut y avoir des stacks, là, on peut le voir à droite. Il peut y avoir sur plusieurs pages. Bref, à l'heure actuelle, c'est intéressant. La saisie de données, ça peut se faire de manière orale, donc un peu comme K2000 quand il parlait à sa voiture. Là, on va faire la même chose, mais en parlant à son téléphone, c'est un peu bête, mais bon, bref. Et c'est un peu tout ce qu'il y a à l'heure actuelle, c'est-à-dire des notifications. On sait qu'il y a Android derrière parce qu'on peut par exemple lancer à la main des applications paramètres, des trucs comme ça. Mais du point de vue utilisateur, ça reste pour le moment, de ce qu'on voit, assez bridé. Et moi qui suis plutôt fan de Google, je suis plutôt en mode blaze, quoi. Leur principe, ça va être justement d'apporter cette
information contextuelle qu'ils apportent aussi avec les Google Glass, c'est-à-dire les notifications et puis toute l'information dont on peut en avoir besoin sur une montre via des notifications, c'est ça? C'est exactement ça. C'est vraiment les notifications qui sont pertinentes sur sa montre, de la même manière qu'on peut les avoir sur les Google Glass. La grosse différence qu'il y a avec les Google Glass, c'est que les Google Glass, elles peuvent être utilisées de manière autonome, alors que là, c'est absolument pas le cas. Il va falloir s'attendre à ce que Google Now soit vraiment au centre de cette montre, non? C'est ce qu'on en voit sur les démos, mais c'est juste ce qu'on en voit sur les démos. Et ça reste des démos. Pascal, qu'est-ce que tu en penses de cette annonce? C'est très visuel déjà, parce que moi, les geeks, ont beaucoup accroché au projet en tout cas, et au design surtout des produits qui ont été proposés. Alors les produits justement, on a deux produits, la Motorola 360. Alors est-ce que c'est une Motorola ou une Lenorola? C'est pas clair. On ne sait pas encore, est-ce que Motorola va garder son identité américaine ou est-ce que... Ma question, c'était pas tellement ça. C'est est-ce qu'on sait si ce projet-là, la Moto 360, a été porté par Motorola avec en soutien les équipes de Google, ou est-ce que à l'époque où c'était vraiment il y a déjà eu l'influence de Google. Comment tu te poses la question? Je me pose pas la question. Tu sais très bien que ça peut être que Google. Sérieusement, ils sont les premiers à, du moins, ils sont liés, pas avec LG, les premiers à répondre sur ces Android Wear, donc forcément que c'est grâce à Google derrière. Qu'est-ce que vous en pensez des visuels de la Motorola 360? Au début c'était très sympa. Au final, j'ai vu quand même que la moto, elle était quand même assez grosse. Premier visuel, on a l'impression qu'elle est toute fine. Il faut aimer les grosses motos. Au final, elle est quand même assez épaisse. J'allais dire les grosses motos. Derrière, après, ce qui est intéressant, je pense, c'est y a beaucoup de constructeurs là qui c'était la mode des montres et des bracelets. Chacun sortait un peu son système à gauche, à droite. Ce qui est intéressant, avec c'est aucune homogénéité. Oui, Samsung qui sort que qui fonctionne qu'avec Samsung, Sony avec les smartwatches. Des interfaces à la traîne, parce que du coup, on n'a pas d'écosystème global sur les montres et c'est cela justement va venir compenser. Quel avenir du coup on donne aux Gears actuels, les Galaxy Gear, Galaxy Gear 2? Alors avant ça, moi je vais lever un drapeau, c'est j'ai beaucoup entendu montre dans les 5 dernières minutes de cette émission et j'aimerais juste rappeler qu'Android Wear est une technologie qui est dédiée au prêt-à-porter connecté dans son ensemble et pas seulement aux montres. C'est donc probablement, possiblement, la prochaine version de l'OS pour les glaces, pour un certain nombre d'autres choses qui ne sont pas des montres. Donc on va dissiper ça. Du côté des Gears, les produits court terme vont quand même être très probablement des montres. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, je pense pas qu'on fera de bracelet de prisonnier avec, effectivement. Et aujourd'hui, il y a un certain engouement, au moins des constructeurs, peut-être du public, pour des montres connectées. À ta question, sur la gamme des Gears, quel est leur avenir? Déjà, il était pas extrêmement clair dès le début, puisqu'on a changé d'OS en cours de route. Ce qu'on sait, c'est que Samsung est partenaire d'Android Wear, ils sont rentrés dans le consortium avec Google. En même temps, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est peut-être juste payer pour voir et se donner l'option éventuellement peut-être de faire une Gear 3 avec un nouvel OS, encore une fois. Il y avait une autre question aussi en marge de ce sujet. Ouais, tout à fait, un sujet connexe, c'est est-ce que c'est la fin des montres autonomes ou en tout cas du prêt-à-porter connecté autonome? Par autonome, j'entends sur lesquels on peut installer des applications qui roulent directement sur le matériel. Voire qui disposent de leur propre connexion avec quasiment une carte SIM. Tout à fait, comme la Homemade, comme d'autres montres. Ma réponse, c'est que Android Wear, du côté développeur, du côté SDK, c'est une techno pour aller porter des notifications sur du code qui s'exécute côté téléphone, certes. Ça ne veut pas dire pour autant que quand un constructeur va utiliser Android Wear, il va bloquer forcément la possibilité d'installer des applications directement sur ce téléphone. Ou que si tout le monde se met à proposer de l'installation des applications, qui va l'accepter? Exactement. Enfin, à mon avis, les montres qui servent le prêt-à-porter connecté qui sert de deuxième écran restera divisé en deux catégories, les autonomes et les compagnons. Sony a annoncé d'ailleurs aujourd'hui, je crois qu'ils ne voulaient pas du tout. Sony, ils sont vénères.
Sony, ils sont blasés, c'est leur troisième montre, ils ont un écosystème bien à eux, ils ont, tu me disais, ils doivent avoir 300 à 400 applications, voilà, et puis ils n'ont pas envie de les abandonner. Ils ont créé un écosystème avec un vrai système, et ils ont fait des belles itérations, vraiment, la montre s'est améliorée au fil du temps. Et... Mais ma réponse de quelqu'un qui est trop pas dans le consortium et qui a trop pas travaillé sur les montres Sony et qui se plante peut-être, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout jeter, tout ce qui a été fait. Vous pouvez travailler sur votre implémentation d'Android Wear et vous pouvez probablement changer un certain nombre de choses, en particulier le layout, etc. De la même façon que les constructeurs nous sortent des ROM qui présentent une surcouche. Exactement. On n'aime pas parler de surcouche, mais on aime parler des interfaces personnalisées. Voilà, d'interfaces alternatives. Le truc qui est bien par contre avec ces montres-là, c'est qu'on voit enfin des montres qui sont rondes. Ça paraissait impensable. Ouais, je voulais en parler. Et c'est aussi bidon que ça, mais voilà, c'est la Motorola 360 et donc la première montre. Par contre, c'est pas forcément rond. Ça peut. Ça peut. Non, exact. Ceux qui aiment les rondes vont être satisfaits. Et surtout, dans le SDK, dans l'émulateur, quand on le crée, on peut dire est-ce que la montre elle est ronde ou est-ce qu'elle est carrée. Donc c'est vraiment prévu dans l'ADN d'Android. Elle fait quand même super haut de gamme cette montre, je trouve. Moi j'attends de voir en vrai quand même, parce que c'est quand même des visuels super photoshopés. Il y a quelque chose avec les montres, c'est que finalement une montre aujourd'hui, et spécialement les montres d'un certain prix, c'est des objets souvent de luxe. C'est de l'apparat social. Et voilà, c'est des objets de luxe, mais on attend quand même que la montre qu'on achète va durer dans le temps et que ça soit vraiment un objet, voire qu'on transmet à la génération précédente. Il y a vraiment cette notion d'intemporalité avec les montres, ce qui est assez finalement incompatible avec la notion de gadget électronique. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui on cherche vraiment le prix le plus bas possible sur les montres. Oui, après moi, je trouve que certains font un débat justement sur le prix des montres, que les gears, etc., quand ils descendent à 70€, il y en a qui disent que c'est encore trop cher. Il faut voir le prix d'une montre même de base, la moindre montre même Casio, c'est 50€ déjà, voire 70€. C'est clair, et on ne parle pas des montres mécaniques où il y a minimum 4-0. Qu'est-ce que vous pensez justement des prix qu'on attend de la Motorola 360 et de la LG G Watch? Moi je pense que ça va avec la remarque d'Astrid, je veux dire, elle a l'air jolie, mais c'est vrai, Pascal, t'as raison, pour le moment c'est du gros Photoshop, mais si elle a une vraie esthétique, si on peut changer et mettre des vrais bracelets de montre, je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre un certain prix, quoi. C'est vrai que le côté tout plastique, y compris le bracelet de Samsung. Ouais. Après, ce qui m'embête sur justement le côté tout plastique ou Kali, c'est il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés par ces montres sur le côté fitness, le côté sport, etc. Et au final, c'est pas une montre qu'on va prendre pour aller se rouler dans la boue. C'est vrai que les montres connectées aujourd'hui, moi c'est ce qui m'intéresse. Par exemple, j'avais les Pebble. Une fonction, soit pour le sport, soit les gens qui vont être intéressés. Voilà. Je sais pas si la Motorola a le système de pédomètre, etc. intégré dans de prévu. Ou... Alors pédomètre, je sais pas. Pédomètre. Il y a des chances, mais ça a pas été. Je crois pas que ça a été annoncé. Comme vous avez compris, l'écosystème Android s'agrandit avec une nouvelle branche dédiée aux objets connectés. On suivra ça de près sur Frandroid. On passe maintenant à notre partie application de la semaine. Comme chaque semaine, nous vous proposons une petite sélection d'applications que nous avons trouvé utile ou sympathique. Je commence par Pascal, quelle est ton application? Alors moi c'est une application liée au foot, donc qui va envoyer en fait des push de notifications à chaque but, à chaque carton rouge, à chaque pénalty. On peut régler tout ça parce que sinon on reçoit 50 push par minute en soirée de foot. Vous pouvez choisir les équipes préférées, donc dans n'importe quel championnat. Ce qui est intéressant sur cette appli, il y a beaucoup de concurrents, il y a beaucoup d'autres applis qui font ça, c'est qu'il y a vraiment toutes les équipes, même de Ligue 1, Ligue 2, Nationale, etc. Quel il y a que soit plein de stats. Le sport dont on est fan, c'est que le foot par contre. C'est que le foot. Mais par contre, il y a toutes les ligues imaginables françaises, même de bas niveau ou autre. Quand on est fan d'une équipe, c'est l'application indispensable pour avoir. Oui, alors la chose intéressante, c'est les push. Et derrière, surtout sur certains gros matchs, c'est pas valable sur tous les matchs, on a directement en fait en direct les vidéos
des résumés de buts, d'interviews de joueurs à la fin du match qui sont directement dans l'application. Il y a aussi toute une partie statistique qui est bien faite. L'application s'appelle Live Score Addict. C'est gratuit ? Ouais. Super. Pas de pub. L'application suivante, c'est Pierre-Olivier qui nous la présente. Ouais, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques épisodes de ça, j'avais parlé de l'application Arte que je trouve vraiment cool. J'ai pas la télé chez moi, donc je m'en sers pour regarder les émissions d'Arte qui sont disponibles à J+7 après leur diffusion. Aujourd'hui, je vais parler de Tou.tv, T-O-U.tv, qui est une application qui est absolument dégueulasse, mais que j'utilise pour son contenu et non pas pour sa forme. Tou.tv permet d'accéder aux émissions, donc émissions, documentaires, films et courts-métrages produits par Radio-Canada. Encore une fois, j'ai toujours pas la télé et ça me permet d'accéder à du contenu de qualité sur des sujets qui m'intéressent. Et du contenu culturel. Tout à fait. Alors après, bon voilà, l'application, si jamais les développeurs de Radio-Canada m'écoutent, faut tout refaire. Il faut absolument tout refaire. Ouais. C'était bien quand on était en Android 2.x. Maintenant, on a fait un tout petit peu de progrès. L'application qui se lance en mode portrait, c'est un petit problème. Du moins, on peut regarder les vidéos en landscape, mais en fait, quand on a un device Android connecté à un proche, genre comme c'est mon cas, l'application, elle se lance quand même en mode portrait, donc accéder au menu, etc. C'est la croix et la bannière. Donc changez-moi ça, s'il vous plaît. Mais à part de ça, le contenu est vraiment cool. L'application suivante, c'est celle d'Edouard. C'est un jeu ? Non, moi je parle jamais de jeux, je parle toujours d'applications, tu devrais le savoir, comme toi t'as tout le temps des jeux. Mais alors moi cette semaine, je pensais au début, vous parliez d'une application qui s'appelait Notification Plus, qui en fait permet d'avoir les notifications de son téléphone sur son ordinateur via une extension Chrome, mais en fait j'ai trouvé carrément mieux, et ça s'appelle Push Bullet. Alors, on s'améliore en permanence. Ouais. L'idée, c'est que... Ma coloc l'utilise depuis longtemps. Ouais, t'es vraiment pas à la page. Ah, laisse-moi expliquer ce que c'est. Donc, en fait, cette application, vous allez pouvoir, de votre côté, rajouter tous les devices que vous avez. Donc, ordinateur, tablette, smartphone. Et entre tout cet écosystème, vous allez pouvoir vous envoyer des notifications. Donc, si vous avez envie d'envoyer du texte, vous pouvez. Si vous avez envie d'envoyer une image comme là je le fais, c'est ultra simple. Tout ça, ça se fait de manière extrêmement simple. Ça, c'est une photo de PO non, d'ailleurs. Mais voilà, mais c'est quoi ces photos de moi qui traînent partout sur le net maintenant ? C'est n'importe quoi. On va les retrouver. Donc c'est multi c'est, en OS, fait, on va le retrouver sur non, tous les OS. C'est vraiment que sur Android. Moi, je pense que c'est iOS aussi. On va retrouver tous nos devices Android plus notre ordinateur. La particularité, c'est qu'on peut aussi notifier des personnes étrangères, donc en fait ça marche pas avec des comptes, et donc si j'ai envie de poker PO, ben je lui envoie une notif en lui disant dépêche-toi, t'es à la bourse ce matin, et voilà, par exemple c'est cet écosystème qui est particulièrement intéressant et qui est donc beaucoup plus évolué que ce qu'on avait dans Notification Plus, et c'est gratuit. Ça fait genre un mois que j'arrive au bureau avant lui, mais bon. Push Bullet, essayez. On en reparle, ça. Si y a des trucs. Astrid, alors, ton application. Moi, c'est un jeu comme la dernière fois. C'est un jeu qui vient d'arriver sur le Play Store, c'est un petit studio français qui l'a fait, ça s'appelle Noah Should. C'est l'histoire de Noé, Noé qui a construit l'arche de Noé, vous le savez, qui doit récupérer des animaux sur son chemin avec un lasso et qui doit ensuite les mettre sur son bateau comme un petit Tetris et qui doit ensuite résister au déluge. Donc comme ça vous utilisez l'accéléromètre de votre portable à plat pour éviter les vagues. Et voilà, en gros c'est un jeu en trois étapes, c'est simple. C'est marrant, il y a beaucoup d'humour et voilà, donc je vous encourage à télécharger. C'est gratuit ? Oui, bien sûr. Moi, je pense que je n'achète pas de jeux. Le studio s'appelle Dino Merguez, c'est ça ? Le studio, ouais, c'est Dino Merguez. Très frais. Mais toi, Baptiste, je parie que t'as encore trouvé un jeu. Eh bah oui, je continue ma série des petits jeux simples et faciles et addictifs. Mon jeu de cette semaine s'appelle Trid. L'idée, c'est qu'on a un schéma à reproduire. Le schéma est tout simple, c'est un espèce de damier avec des petits carrés. Il suffit de cliquer pour reproduire le schéma. Et là où ça se complique, c'est qu'avec les niveaux, le schéma à reproduire ne va pas être présenté dans la même façon que le damier que l'on a. C'est l'orientation qui change, c'est ça ? C'est l'orientation qui change, exactement. D'accord. Et donc à ce moment-là, on va voir que son cerveau ne suit plus du tout. Et il va falloir se creuser les méninges parce que c'est au chronomètre. Et donc pour continuer, il faut reproduire le schéma le plus rapidement possible.
Et voilà, ça, au fur et à mesure de l'avancement dans le jeu, je sais plus très bien. C'est pour savoir si je vais te battre ou pas. Je connais mon score. À 2048, je t'ai battu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je connais mon score à 2048 en ce moment, mais pas mon score à Zola. C'était notre sélection d'applications de la semaine. Cette émission est finie. J'aimerais remercier les personnes présentes sur le plateau, nos habitués d'abord. Et on sera là la semaine prochaine, évidemment. Non. Ah bon ? Ah ! On a dit qu'on n'était pas là. Non mais on leur a pas dit. Ouais, c'est ça. Notre invité blogueur et expert de la semaine, Pascal. Merci de m'avoir reçu. En régie, j'avais Astrid. Merci. J'aimerais aussi remercier la technique, Edouard Marquis, aux commandes de la chaîne Tech.tv, et Olivier Rousseau, notre réalisateur. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.